Yep, pas tout le monde, bonsoir. Alors j'ai eu envie de m'interroger sur un sujet autour de toujours la thématique entreprendre. Pourquoi? Parce que quand on passe des soirées avec des amis en fait et qu'on commence à parler un peu du monde de l'entrepreneuriat, souvent on se rend compte qu'en fait les gens ils ont l'impression que créer une micro-entreprise, on a tellement parlé autour du cadre réglementaire qui était simple de la micro-entreprise. Voilà, souligné par les lois de 2016, etc. Les gens semblent avoir perdu à l'esprit que même si leur activité, leur chiffre d'affaires est égal à zéro, ils auront quand même une traçabilité à maintenir et ils auront quand même également des cotisations à payer et des déclarations à faire, même si leur chiffre d'affaires est égal à zéro, que ce soit pour le RSI, voire même les organismes auxquels ils sont rattachés, la CIPAV, pour la retraite, etc., etc. Et je demeure un petit peu toujours voilà, stupéfaite de voir ouais, les gens penser que créer une micro-entreprise, ça coûte rien. Il faudra également penser aux frais de radiation également, qui auront une incidence. Donc là, dans cette présentation, j'ai voulu vous parler en fait de la CFE. C'est la contribution foncière des entreprises. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'en quelque sorte, quand vous créez une micro-entreprise, vous allez répondre à des exigences réglementaires et fiscales. Et en ce sens, vous avez des obligations. Donc il faut bien les connaître et dans la création d'entreprise, et même dans le cadre d'une micro-entreprise, la gestion des risques, à mon sens, pour le particulier ou le porteur de projet ou le créateur de projet, c'est assez complexe. Et rien que pour donner un exemple du coup de la création d'une micro-entreprise, même si vous faites un CA de zéro, c'est que par exemple, la CFE, donc la contribution foncière des entreprises que vous aurez à payer, en fait, ça, c'est une sorte de cotisation, en fait, que je dirais, pardon, une sorte de cotisation financière qui vient en appui, en fait, au financement des locaux d'une entreprise. Et ça, pour autant, même si vous êtes auto-entrepreneur, voilà, en home office, donc de chez vous, c'est une cotisation fixe que vous paierez, et ça, le coût de cette cotisation, il varie en fonction des villes. Alors ça va aller, il y a des cotisations qui vont de 150 euros à 500 euros, etc., etc. Donc ça veut dire que même si vous ne vendez rien dans l'année, vous devrez toujours payer par exemple cette fameuse somme de la contribution foncière des entreprises. Voilà, donc attention, il y a des cotisations. Et puis le jour où vous déciderez de fermer votre activité peut-être, eh bien, il vous en coûtera également des frais attenant à la clôture. Donc voilà, allez voir ça aussi. C'est variable en fonction du nombre de branches, d'activités. Voilà, mais je crois que ça ne doit pas dépasser. Ouais, je dirais peut-être quand même 600 euros, mais je suis pas sûre du tout, donc à confirmer. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour le petit point que je voulais souligner et vous rappeler que, attention, n'allez pas croire que créer une micro-entreprise, c'est sans risque. Voilà. Moi, je vous invite pas à boire l'ensemble de mes paroles, mais plutôt à vous interroger également sur le questionnement autour de ces risques potentiels et bien savoir voilà, si vous êtes déjà dans une situation délicate et que vous visez mettre en place des revenus complémentaires justement pour vous faciliter la vie, si par exemple ce projet il ne marche pas, le risque ce serait qu'il vous enfonce dans votre situation financière déjà délicate. Donc c'est pour ça que je vous invite à bien analyser vos risques au préalable, avant de vous lancer. Est-ce que voilà, ce qui va vous en coûter vaut l'expérience, on va dire, et la prise de risque, hein, ça c'est à vous de voir. Donc je vous dis, y est pas, voilà, y est pas, attention, maîtrisez bien vos risques et vos risques financiers au coût, enfin autour, je dirais, du coût de votre projet auto-entrepreneur, voilà, et de votre statut aussi, parce que voilà, la micro-entreprise, c'est un statut enfin, particulier, donc simplifié. Je vous invite à aller sur mes castes, faire attention. Vous n'allez pas pouvoir déduire la TVA, donc c'est pour ça que vous ne parlerez pas de TVA hors taxe ou TTC, etc., etc. Donc voilà. Donc cette cotisation, donc voilà vos contributions, cotisations, etc. Ils vont être variables en fonction de votre statut, votre ville, etc., etc. Donc renseignez-vous. Je vous dis à bientôt. Y est pas. Bonne nuit. J'exagère.